être douée de compétences dans ma capacité à prendre de la distance émotionnelle avec les choses, à ne pas me laisser entraîner dans l'histoire de l'autre. Hein, la personne qui vous appelle parce que son chien a des difficultés et que vous réalisez que non seulement le chien a des difficultés, mais qu'en plus il n'est pas dans des conditions optimales de vie et c'est peut-être pour ça qu'il a des difficultés. Je dois ne pas me laisser entraîner émotionnellement dans l'histoire, ne pas devenir partie prenante, rester neutre au service de l'humain et de l'animal en difficulté tous les deux. Ça veut dire aussi que je dois développer des compétences relationnelles, des compétences d'écoute et être congruent. La congruence, c'est aussi être, pouvoir à la fois utiliser l'expérience que j'ai de la vie et puis la conscience que j'ai des choses et surtout harmoniser les deux. C'est-à-dire entre ce que je dis et ce que je fais, il faut qu'il y ait une certaine congruence, c'est ça, hein, la concurrence. Congruence parce que je ne peux pas tenir deux discours, être quelqu'un d'autre dans côté jardin que qui je suis côté cour, si je peux dire ça comme ça.